Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo particulière puisque je propose de faire ensemble des prédictions mondiales. Une vidéo que vous m'avez souvent réclamée et c'est vrai qu'avec la situation actuelle j'ai ressenti le besoin de le faire, ne serait-ce que peut-être pour nous rassurer ou au contraire nous permettre de nous préparer face à ce qui nous attend puisque j'aimerais vraiment attirer votre attention sur la gravité de la situation. C'est-à-dire que beaucoup font l'autruche en se disant non mais c'est loin, c'est dans d'autres pays, ça va pas venir vers nous, hein. C'est comme pour la pandémie. Au début, quand on entendait parler en Chine, on se disait, oh, la Chine, c'est loin, ça viendra pas vers nous. Et puis, hein, vous voyez le bazar que c'est aujourd'hui. Là, on est vraiment dans un climat très très particulier, puisqu'il y a des enjeux très importants qui sont en train de se jouer. Et j'ai envie de vous dire, c'est quitte ou double. Alors, je vais employer un mot fort. J'espère que ma vidéo sera pas strikée, parce que j'en ai un peu marre de faire attention à ce que je dis, mais en même temps de faire les choses, et voilà, c'est un petit peu pénible. Donc je vais essayer d'être timoré dans mes propos pour que la vidéo puisse rester sur la chaîne, tout en essayant d'être le plus clair que possible. Donc je vous disais, le mot fort que je vais employer, que beaucoup ne veulent pas entendre, c'est une possible troisième guerre mondiale. Voilà, c'est dit. C'est pas question d'être pessimiste. C'est pas question d'inquiéter les gens, mais au contraire de leur faire prendre conscience de la gravité, de la réalité, de ce qui est en train de se jouer devant nous, puisque là nous sommes rentrés officiellement dans une phase historique qui laissera des traces dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui nous sommes à l'aube de changements particulièrement majeurs qui vont avoir une importance sur le reste de l'avenir et il faut vraiment en prendre conscience. Et ce n'est pas en faisant l'autruche, en se disant non, 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 je veux pas savoir, moi je préfère vivre dans mon monde de licorne et de paillettes. Eh ben non, malheureusement, parce que lorsque le jour J va se présenter, ça sera plus le moment de faire l'autruche, hein. Quand la vérité elle est là, quand elle est sortie du puits, après il faut composer avec et il faut faire avec. Et le fait justement de le savoir un petit peu en avance, ou d'essayer de décrypter les signes que la vie peut envoyer, ça peut nous permettre de nous préparer, justement, de préparer certaines choses, d'anticiper certaines choses, et potentiellement de pouvoir se protéger et préserver certaines choses, d'accord? Donc ce tirage est plus là à titre indicatif. On va essayer de décrypter les signes ensemble. N'hésitez pas à être interactif sur la partie commentaires, c'est-à-dire que moi je vais vous interpréter les cartes selon mon ressenti personnel, mais je reste un être humain avant tout. Je peux passer à côté de quelque chose que je n'aurais pas interprété ou qui aurait un double sens. Donc si jamais vous voyez un autre sens à certaines cartes, à certaines compositions de cartes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein, c'est un travail collaboratif, on est tous en coopération. Donc essayons de décrypter un maximum de signes afin de, eh bien, comprendre ce qui se passe et ce qui va se dérouler. Pour cela, je vais utiliser mes jeux. Je vais utiliser le carré fantabuleux. J'ai sélectionné celui-ci particulièrement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce jeu, il y a la carte de la bombe. Et vous savez que ce qui est en train de se produire, hein, cette grande puissance possède la bombe nucléaire. Et j'ai vu plusieurs vidéos sur les médias. Alors bon, vous savez que les médias ne sont pas forcément des sources d'informations véritables, mais ça peut donner une indication sur certaines choses, surtout lorsque certains mots sont prononcés. Et là, entre autres, j'ai vu une interview qui parlait d'une apocalypse nucléaire si par malheur l'Union européenne se mêlait directement, s'impliquait concrètement dans ce qui est en train de se faire là. Donc, quand j'ai entendu apocalypse nucléaire, je me suis dit, ok, là, c'est quand même très très grave, on vient de franchir un palier très important. Et j'ai envie de vous dire que c'est logique, là encore, hein, parce que si l'Union européenne, effectivement, répondait par la force, en envoyant, par exemple, un tir d'obus, eh bien, l'adversaire va envoyer lui un missile, l'autre va riposter avec un missile balistique, et puis l'autre va riposter avec la bombe nucléaire. Vous voyez, c'est crescendo, hein, c'est celui qui se chamaille pour avoir la part la plus grosse du gâteau. Donc, on sort toujours plus impressionnant, plus lourd, etc., etc. Et aujourd'hui, en 2022, à l'ère du nucléaire où chaque pays possède une petite bonbounette, c'est quelque chose à prendre au sérieux quand il y a un conflit comme en train de se produire. Et là,
Il y a plusieurs enjeux politiques, hein. On sait par exemple que la Russie va se rapprocher de la Chine, hein, qui est son allié. Donc là, très concrètement, on serait extrêmement mal, puisqu'une cohésion entre la Russie et la Chine, qui sont des superpuissances mondiales, hein, autant vous dire que des petits pays ne feraient clairement pas le poids, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a aussi un climat de tension avec les USA, hein, puisque les USA ont clairement déclaré qu'il ne fallait pas toucher aux régions de l'OTAN, sous-entendu hein, qu'il y aurait une riposte immédiate, et on connaît les Américains pour leur diplomatie, hein. Dès qu'il s'agit de sortir les armes, c'est pas les derniers. Donc voilà, et nous le problème c'est que l'Union européenne est au milieu de ça, c'est-à-dire qu'on est au milieu des deux superpuissances qui vont très certainement se chamailler dans un avenir plus ou moins proche, hein, mais à mon avis je pense que la tension va monter crescendo, hein. Il y a quelques jours en arrière on disait non, la Russie pourrait pas déclarer la guerre quand même, on est en 2022, eh ben si si, si si, ça a été fait, donc si ça a été fait avec un pays, rien n'empêche de le faire avec d'autres pays, hein, parce que vous savez, ça c'est comme dans la vie en règle générale, dès qu'il y en a un qui commence à ouvrir sa bouche, tu vas avoir le voisin qui va venir rajouter sa couche alors qu'on lui a rien demandé, l'autre voisin qui va aussi venir mettre son grain de sel alors que lui aussi on lui a rien demandé, et à la fin c'est tout le village qui se tape dessus alors qu'à la base c'était simplement une querelle de voisins, hein, et que ça ne concernait personne d'autre. Voilà. Donc une guerre mondiale, c'est malheureusement comme ça que ça se fait. Et là, on est rentré dans ce processus, dans ce cycle où justement c'est en train de monter crescendo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le carré fantabuleux, parce que comme dedans il y avait la bombe, si jamais elle sortait, chose que je ne souhaite pas bien sûr, mais si jamais elle sortait, ça pourrait peut-être être un signe pour nous dire que il faut peut-être se préparer à quelque chose d'un peu plus important. J'ai également pris mon veilleur, alors mon veilleur c'est plus à titre informatif, parce que comme vous le savez, dans le veilleur, j'ai mis quelques datations. Vous savez que la datation en divination, c'est impossible de pouvoir dater précisément des événements. Mais là, c'est juste à titre indicatif pour éventuellement nous donner des indices sur une durée qui pourrait se faire, hein, approximativement, pour nous donner comme ça juste une idée. On va utiliser le Joracle aussi pour se faire quelque chose de détaillé, parce que comme il y a des cartes de monstres, il y a certaines cartes qui sont intéressantes pour faire ce tirage-là. Et je vais utiliser aussi mon oracle des merveilles parce que malgré son esprit, j'ai envie de dire, un peu ludique, un peu enfantin, il révèle certains messages qui sont très intéressants. Et entre autres, si la reine de cœur sort, on connaît la reine de cœur pour sa politique assez, comment on pourrait dire, assez tranchante, hein, j'ai envie de dire. Donc si on avait des fortes têtes comme ça qui sortaient dans les tirages, ça pourrait nous donner une bonne idée d'interprétation du tirage. Allez, on va commencer tout de suite avec le carré fantabuleux. Ah, on a une carte qui vient de se retourner et c'est la carte du grimoire. Donc là, on nous parle de choses en lien avec du savoir, de la connaissance, tout ce qui est lié au livre. Donc ça peut être l'information, des informations peut-être qui vont se divulguer. Ça peut être aussi une prise de pouvoir ou un pouvoir que l'on convoite, hein, puisque ici c'est la carte du grimoire, ce n'est pas juste un livre, c'est un grimoire magique, et un grimoire c'est quelque chose qui est souvent convoité parce que c'est une source de pouvoir, c'est une source de savoir, c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir influencer directement sur la vie, de prendre le pouvoir et le contrôle sur la vie, sur la matière, sur les molécules. Donc ici on a une raison de pouvoir. Bon, j'ai envie de vous dire que ça paraît assez logique, hein. Puisque très souvent, les guerres, c'est tout le temps et toujours des raisons de pouvoir. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la ligne qui est prête à être rompue. Donc, effectivement, vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire, à savoir que là, on est sur une frontière extrêmement, extrêmement fragile. On est sur quelque chose, voilà, qui est prêt à rompre à tout moment. Hein, on est sur... on nous parle ici de frontière et ça va être la carte maîtresse, donc l'énergie maîtresse. Donc, ce qui veut dire que ici, on est vraiment sur la ligne jaune, on est vraiment sur la limite, on est vraiment en train de franchir un palier. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui vient en plus, eh bien cette ligne va rompre, va se couper et les choses vont littéralement prendre une tournure très différente. Nous avons la carte de l'esprit.
Nous avons la carte du cercueil qui, là, en l'occurrence, vous le savez, la carte du cercueil peut représenter la transformation, la mort, machin et tout. Mais là, dans ce contexte actuel, je pense que ça peut évoquer des morts physiques. Nous avons la corne d'abondance. Nous avons, logique, nous avons la dague avec des gouttes de sang qui représentent ici le combat. Nous avons le caducée. Nous avons. Alors, je ne vais pas employer ce mot, hein, je vous montre juste la carte, parce que si j'emploie encore ce mot interdit, hein, la vidéo va disparaître. Donc, on ne va pas employer le mot, hein, vous savez quelle carte c'est. Nous avons l'enveloppe. Et nous avons le cœur brisé. Allez, je vais compléter encore un petit peu en rajoutant. On a ici la ligne de vie. On a la carte noire, ce qui paraît assez logique là encore. On a les genres. Et on a le grimoire qui ressort. Eh bien écoutez, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, les amis? Bon, donc comme je vous l'ai dit, on va d'abord analyser ici cette ligne qui est très importante puisqu'on est sur la verticalité de cette ligne qui est prête à se rompre, à se couper. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'il y a des choses liées à l'esprit. Alors pour moi, ça pourrait m'évoquer peut-être, soit une solution diplomatique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut encore être fait, mais c'est vraiment la dernière chance, c'est vraiment l'ultime chance. C'est-à-dire que si les choses ne prennent pas une tournure diplomatique maintenant, c'est terminé. Hein, c'est vraiment terminé. Ici, on a quand même le cœur brisé qui est au niveau de la dague. Pour moi, ici, ça symbolise vraiment des combats à venir. Donc ici, c'est vraiment la dernière solution, l'ultime solution. Et via l'enveloppe, ça pourrait annoncer soit une réunion, soit des rendez-vous, soit des échanges qui pourraient se faire. Mais l'enveloppe pourrait aussi symboliser quelque chose d'un peu plus officiel, quelque chose d'un peu plus expéditif. Ça me fait penser à un courrier recommandé. En principe, quand on vous envoie un courrier recommandé, c'est rarement une bonne nouvelle, hein. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Mais 80% des cas dans les lettres recommandées, c'est rarement une bonne nouvelle. C'est souvent pour nous sommer de faire quelque chose, pour nous avertir de quelque chose avant des procédures, avant d'entamer quelque chose. Hein, c'est vraiment l'ultime recours, c'est le dernier avertissement avant qu'il y ait véritablement des sanctions, qu'il y ait des poursuites, qu'il y ait des choses. Et là, je sais pas pourquoi, mais cette enveloppe m'évoque vraiment cet aspect de sommation, d'ultime avertissement. Donc peut-être que là, pour les prochains jours ou les prochaines semaines, mais à mon avis, je pense qu'on parle plus de jours parce que les tensions sont tellement fortes qu'on est plus sur quelques jours là. Je pense qu'il va y avoir certainement une sommation, un ultime avertissement qui va être prononcé avant qu'il y ait véritablement une intervention physique. Intervention physique qui est, je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de penser, là je vois la corne d'abondance, ça me fait fatalement penser à tout ce qui est économie, à tout ce qui touche aux biens matériels, et ça pourrait nous parler d'une fracture, d'une rupture sur le plan économique. Donc ce qui vous voudrait dire qu'on pourrait se diriger vers une prochaine crise économique. Hein. Enfin, je pense qu'on n'est même pas sorti en fait des précédentes. Donc, ce qui pourrait arriver ne sera qu'une énième vague à ce qu'on a déjà sur notre plage actuelle. Hein. Je pense pas, dans notre cas, pour nous les petits pauvres, le petit peuple, etc., ça nous fera pas plus de mal que ça. Hein. On a habitué à manger des pâtes et du riz. Bah, au lieu de manger deux fois des pâtes par jour, on n'en mangera plus qu'une seule fois. Hein. Voilà, nous, ça nous changera juste ça, notre quotidien. Mais ici, ça pourrait vraiment nous parler ici d'un facteur économique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même le grimoire qui est au niveau de la corne d'abondance. Donc peut-être que ce qui est en train de se produire là, les raisons pourraient être d'ordre économique, mais ça, j'ai envie de dire, on s'en doute un petit peu, hein, on n'est pas couillon quand même. Il y a une idée de pouvoir et peut-être de pouvoir à prendre sur quelque chose qui serait stratégique pour être soit au cœur d'une économie, soit pour prendre une part de marché important concernant, je sais pas, ça peut être des matières premières, ça peut être des choses qui sont produites, hein, qui sont comme ça, qui sont fabriquées et qui pourraient représenter j'ai envie de dire quelque chose d'assez intéressant en termes de politique. Donc il y a une prise de pouvoir qui est avant tout
politique et économique. Ici, on va y venir après parce que entre la médecine, les cachets, les genres et le cercueil, je vais être honnête avec vous, mais ça ne me rassure absolument pas du tout parce que là, très clairement, le cercueil est au centre de la médecine, donc on nous parle bien ici de mort. Il y a pas d'autre interprétation. Des morts en tout genre, hein, qui vont toucher toutes les classes, toutes les personnes, tous les sexes, tout le monde. C'est la carte des genres, vraiment, c'est une carte qui n'est ni raciste, ni homophobe, ni qui que ce soit. Non, non, parce que la carte des genres, elle vise absolument tout le monde et elle englobe absolument tout le monde. Donc là, c'est quelque chose qui va toucher absolument tout le monde sans aucune exception. Personne ne serait à l'abri. Donc c'est pas forcément rassurant parce que la mort qui frappe tout le monde, toutes les classes sociales et absolument tout le monde, c'est pas quelque chose qui est rassurant, hein. C'est, en principe, il y a que deux possibles, trois même, trois possibilités à ce type de choses. C'est soit un cataclysme, une catastrophe naturelle, soit ça peut être une guerre, soit ça peut être une pandémie de grande ampleur. Bon, niveau pandémie, je pense qu'on a donné, hein. Donc, qu'est-ce qui nous reste à explorer? Eh bien, il nous reste le cataclysme et la guerre. Voilà. Croyez pas que j'en rigole, hein. C'est très ironique. Ce que je suis en train de dire au contraire, hein, c'est il y a des messages cachés, j'espère que vous les comprenez. Donc ici, je vais recouvrir. Alors, sur le cercueil, oh là là, sur le cercueil, on a la carte du démon. Donc ici, on nous parle bien d'une menace, de quelque chose qui est vraiment particulièrement négatif. Ici, sur la médecine, on a l'œil qui pleure. Donc on nous parle bien de chagrin, de peine, de souffrance sur le censuré. Vous me comprendrez, on a les virus. Alors, bon. Décidément, on est dedans, hein, ça. Mais là encore, c'est logique parce que vous allez comprendre. Je vais vous l'expliquer après. Et en plus, c'est difficile pour moi d'essayer de vous expliquer les choses sans être censuré. Ça va vraiment être, ça va être folklorique, hein, cette guidance, hein, je vous le dis. Et ici, on a l'œil qui est ouvert. Donc ici, on nous parle bien de révélation. Ça pourrait être un déclic. Je pense que y a effectivement un événement. On se dirige vers un événement important, très important, qui va permettre de faire ouvrir les yeux très clairement sur ceux qui sont aveugles ou qui se voilent la face ou qui vivent dans un monde complètement déconnecté de la réalité. Hein. Je pense notamment aux namastés, ceux qui se baignent dans la lumière, dans les licornes, dans les trucs complètement illusoires. Je pense à toutes ces personnes-là. Ici, il y a vraiment une clarté, il y a quelque chose qui va permettre d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se produire, sur ce qui est en train de se faire, sur la réalité du monde, sur la réalité de la vie, et peut-être que ça peut entraîner quelque chose de positif. Après, l'œil peut aussi nous interpeller sur le fait de notre vigilance, c'est-à-dire nous appeler à être vigilants, à garder l'œil ouvert et un bon œil, hein, pas celui qui ne voit pas, mais celui qui voit, et garder l'œil justement sur ce qui est en train de se produire, garder l'œil justement sur, parce que le démon représente l'aspect sournois, l'aspect du menteur, l'aspect de ce qui est caché, hein, de ce qui essaye de manipuler, de corrompre, de posséder, etc. Donc ici, j'ai envie de vous dire, faites attention à ce que vous croyez voir, parce que la réalité n'est peut-être pas forcément là où vous la pensez. C'est-à-dire que le méchant de l'histoire, le vilain pas beau, n'est peut-être pas forcément celui qui est accusé. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, si je prends un exemple très concret, vous allez rapidement comprendre. Si je prends ne serait-ce que la guerre entre Dieu et le diable, hein, cette guerre qu'il y a entre l'Église et le diable c'est le vilain, c'est le pas beau, c'est le méchant de l'histoire, c'est celui qui fait du mal, etc., etc., etc. N'empêche que quand on regarde un petit peu l'histoire, hein, on voit que c'est l'Église qui est quand même responsable de millions de morts dans l'histoire de l'humanité, qui a pourchassé des innocents, traqué, tué, convoité, pillé, volé, j'en passe, et des meilleurs. En revanche, combien de guerres ont été fomentées au nom de Satan? Combien de crimes ont été revendiqués au nom du diable? Zéro. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce qui veut dire que ici,
N'oubliez pas que l'Église représente une puissance, quelqu'un qui dirige, d'accord? Et qui, par conséquent, véhicule une image de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Donc là, pour moi, ça pourrait être une figure métaphorique pour dire attention ici à ceux qui ont les outils pour nous faire croire ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Hein? Et là, je fais appel à votre esprit logique de déduction pour comprendre ce que je suis en train de dire et qui je vise, d'accord? Donc soyez vigilants et ayez l'esprit ouvert, l'œil ouvert sur qui sont les vrais coupables, qui sont les vrais méchants de l'histoire, qui manipulent véritablement, qui possèdent véritablement, d'accord? Ici, il y a vraiment un aspect de ne pas se faire enfumer l'esprit. Et quant à ça, alors ça, vraiment, pour moi, ça me fait vraiment penser à des conséquences qui pourraient se produire. Je vous parlais de pandémie, j'espère que ça ne fait pas référence parce que là, on fait un tirage pas que sur le conflit russe, mais sur les événements mondiaux, d'accord? Donc ici, potentiellement, ça peut aussi révéler, pourquoi pas, d'autres formes, d'autres souches, un nouveau virus qui pourrait peut-être arriver dans le courant de l'année, je ne l'espère pas. Mais là aussi, il faut en prendre conscience, c'est que le permafrost est en train de fondre à vitesse grand V, que les calottes glaciaires sont aussi en train de disparaître, et avec elles, ce qu'elles avaient emprisonné dans leur glace est en train de se libérer. Et là, récemment, j'ai vu un truc qui parlait d'un virus qui était totalement inconnu par l'humanité, qui ne possédait ni remède, ni quoi que ce soit, parce que ce virus appartenait à une ère... Je vais pas dire préhistorique, mais qui date de 40 ou 50 000 ans. Donc c'est un virus qu'on ne connaît absolument pas. Et concrètement, qu'on ne saurait pas soigner et qui pourrait faire là aussi des victimes importantes, hein, puisque si un virus préhistorique ressort, la refait surface, ça va être folklorique le truc, hein. Donc peut-être, je ne le souhaite pas, hein, pour ceux qui sont en train de prendre peur avec ce tirage, vous pouvez quitter la vidéo, d'accord? Hein, moi je suis uniquement là pour vous interpréter ce qu'on lit là dans les cartes, d'accord? Ensuite, ici, bon, ici, très clairement, moi, ça me parle d'un conflit, hein, d'un conflit, là, ça me parle d'une rupture aussi. Ok, donc là, on a la réponse non. Je vais les mettre là à côté. On a la réponse non. Oh là 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 là, c'est celle que je voulais pas voir. C'est celle que je voulais pas voir. Ok. Oh là là. Quand même, hein, quand même, sur 90 cartes, il a fallu que celle-ci sorte. Ok. Et on a la femme enceinte. Donc ici, en plus, j'étais en train de vous le dire, une rupture, une fracture, quelque chose, voilà. Mais la rupture, elle est là. Donc ce qui voudrait dire que, il n'y aura pas de solution diplomatique qui pourra se mettre en place et qu'une confrontation est absolument inévitable. Et par conséquent, là, la dague, pour moi, représente vraiment l'aspect, d'armes, de prendre les armes au sens propre du terme. Et en plus, regardez, la dague, elle est dirigée au niveau de la tête du démon. Et on avait quoi en dessous? Et on avait le cercueil en plus, on avait le cercueil. Donc ici, on nous parle bien de combattre, combattre le mal au sens propre du terme. C'est là, on a un message qui est fort parce que regardez en diagonale, du coup, on a la bombe avec le petit symbole qui n'est pas rassurant. Donc la bombe avec la dague en plus qui tombe comme ça, hein, on a cette diagonale qui tombe et sous le démon, on a le cercueil, la mort. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être voyant pour comprendre le message de la carte. Hein. Là, sur le coup, on a une ligne directrice qui est franchement très importante. Ceci dit, on a quelque chose de positif grâce à cette carte. Pourquoi, me direz-vous? Parce que, entre guillemets, l'avantage d'une guerre, c'est que ça peut permettre de renouveler certaines choses. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tellement à reconstruire, il y a eu tellement à rebâtir que le travail, alors pour le coup, notre cher président pourra le dire, hein, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était effectivement comme ça. Il y avait tellement de choses à reconstruire, à rebâtir, il y avait tellement besoin de main-d'œuvre que l'économie est repartie d'elle-même, que le chômage était au plus bas, hein, donc ça peut. De quelque chose de négatif, il y a toujours un aspect positif qui peut ressortir. Et malheureusement, et ça je vous le dis souvent dans mes vidéos, je trouve que depuis quelque temps, l'humanité est arrivée à un point où elle ne peut plus évoluer, où c'est triste à dire, vraiment,
Je suis désolé pour ce que je m'apprête à dire, mais on arrive à un seuil où la planète ne peut plus. Elle ne peut plus produire pour autant de monde, c'est pas possible. L'être humain lui-même n'arrive plus à évoluer, mais au contraire, on régresse dans une bêtise incroyable. Il est temps aujourd'hui qu'il se passe quelque chose afin de remettre certains compteurs à zéro, de reprendre conscience de la vie, de pouvoir relancer une économie, de pouvoir se sortir de certaines choses. Voilà. Pour moi, on est vraiment ici face à un tournant. Donc, ce qui est en train de se produire n'est que la gestation du projet final, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qui pourrait se produire. Du coup, là, on serait sur une indication temporelle, pourquoi pas? Est-ce que c'est à prendre au sens littéral du terme? Donc, du coup, ça ferait 9 mois, donc février, on est même jusqu'à la fin février, on va dire, on va compter à partir de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, on tomberait sur la fin 2022, entre novembre et décembre 2022, pour soit l'événement final, soit pour un renouveau, quelque chose peut-être qui pourrait prendre fin sur la fin d'année. Donc du coup, on nous parlerait ici d'un conflit éclair, j'ai envie de dire. Et effectivement, à notre époque, ça pourrait être un conflit éclair, parce que rapidement, ça peut prendre des proportions gravissimes, hein. C'est-à-dire que si en 1900, il fallait plusieurs années pour faire du mal, nous, avec ce qu'on possède à l'heure actuelle, il nous faudrait simplement quelques jours. Très concrètement. Donc effectivement, un tel conflit serait assez rapide dans le temps, j'ai envie de dire. Ça ne durerait pas comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus rapide. Donc on peut être sur la fin d'année, pourquoi pas. Je vais vérifier avec le veilleur, parce que si on avait une indication temporelle de 9 mois ou qui nous emmène entre octobre et décembre, ça serait quand même assez bluffant. Là, on a une réponse non aussi, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas interprété. Le non peut symboliser un non diplomatique, un non dans le sens, un non qui est bloqué, c'est-à-dire que non, non, tout est bloqué, non, 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 il n'y a pas de solution diplomatique, non, il n'y a pas de solution, non, non, simplement non, il faut que les choses se fassent, il faut que l'histoire s'écrive, il faut que les événements se produisent. Pour moi, ce non, surtout que le non, en plus, il est. Alors, ça peut être un non rassurant, c'est vrai. On va pas non plus être complètement pessimiste. Ça peut être un non rassurant parce que ce non, il est en ligne avec la bombe. Donc, ça pourrait nous dire non, la bombe ultime ne serait pas utilisée. Donc, ça peut être quelque chose de rassurant, d'accord? Bon, après, ce qui est moins rassurant, c'est que la bombe quand même tombe sur la carte noire, hein, sur la carte du vide, du néant. Et cette carte-là, hein, vous le savez, pour ceux qui ont carré fantabuleux, c'est la carte la plus négative du jeu, hein. C'est-à-dire que, voilà, elle indique vraiment le néant, la perte, le tout, hein, ça. Alors, le veilleur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'on va être sur une période de 9 mois? J'ai envie d'en prendre 3. Oh non mais les amis, non mais vous me croirez jamais! J'avais envie de prendre 3 cartes, mais il n'y a même pas besoin de prendre 3 cartes! Non, non mais là, c'est extraordinaire. Donc on a eu la carte évolue, apprends sans cesse, tel l'enfant du destin que tu es. Donc on a cette carte-là. Et regardez l'indication temporelle, regardez, dans 9 mois. Donc, vous voyez, ça vient de confirmer. Non, non, mais là, j'en reviens pas. Oh, j'en ai des frissons tellement. Là, j'ai des frissons tellement c'est fort. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ce qui veut dire que là, on pourrait être sur un événement majeur qui pourrait prendre, soit qui pourrait prendre fin, comme une grossesse. C'est-à-dire que, alors, je vais vous donner toutes les interprétations possibles, parce que la grossesse, elle peut être traîtresse dans la façon de l'interpréter. C'est-à-dire qu'on pourrait être sur un conflit grandissant qui va croître au fil des mois et qui pourrait atteindre son apogée et sa maturité sur la fin 2022. C'est-à-dire que là, voilà, les tensions vont monter, vont monter, vont monter, hein, et puis, boum, à partir du mois de novembre, ça y est, c'est officiel, tout éclate en morceaux, c'est vraiment le truc officiel, j'ai envie de dire. Ou ça peut être dans l'autre sens, c'est-à-dire que tout va monter crescendo, comme à chaque mois d'une grossesse. Pour les derniers mois, vraiment, là, ça va être l'orgie, hein, et après, on accouche de ça, c'est-à-dire qu'on se débarrasse. Alors, excusez-moi de dire ça. C'était pas très joli le mot, ce que je viens de dire, on se débarrasse de ça.
Non, mais je pensais au fait d'accoucher, de se libérer, hein, de pouvoir expulser son enfant, et on est libéré de certaines souffrances. Je vais pas vous chanter la chanson de la Reine des Neiges, hein, mais voilà, on est libéré de certaines souffrances, on se libère de ce que l'on portait en nous. Donc voilà, se débarrasser de ça, c'était dans cette idée, hein, et pas se débarrasser de l'enfant. Ah, c'était horrible ce que je viens de dire. Bon, excusez-moi, j'essaye de vous faire sourire parce que quand même c'est un climat là qui est particulièrement tendu. On est sur un tirage qui est particulièrement sérieux. Donc si je vous fais la tronche tout le long de la vidéo, on va se suicider à la fin. Donc on va essayer de prendre les choses avec sérieux et en apportant un petit peu de légèreté. D'accord? Donc ne m'en voulez pas. Mais là, en tout cas, 9 mois, c'est super fort. Là, franchement, c'est je viens de me bluffer moi-même. Enfin, non, c'est pas moi qui me suis bluffé, parce que c'est les énergies, elles se mettent en place tout simplement. Mais c'est incroyable, c'est bluffant. Bon, alors attendez. Vous savez quoi? Je crois que je vais garder le tirage là. Je vais le garder comme ça. Et je vais mettre les cartes par-dessus, parce que si jamais il sortait des choses qu'on pouvait venir compléter avec le reste du tirage, donc je vais le laisser comme ça et je vais mettre les cartes par-dessus. Allez, on y va. Alors, on a le cœur. Ça tombe bien, ici on a le cœur brisé. Donc on nous parle bien d'une relation, quelque chose qui pourrait se terminer. On a le ruban. Là aussi ça tombe bien, le ruban. On avait la carte conductrice ici. Donc on nous parle bien d'un lien ici, un lien affectif. On a la carte du ballon. Le ballon peut être intéressant parce que le ballon peut représenter des choses en mouvement, des choses qui se déplacent de frontière en frontière. Ça pourrait évoquer, pourquoi pas, des avions, des hélicoptères, des choses comme ça, des choses qui sont en lien avec le ciel, donc des déplacements, des mouvements qui vont se faire. On a la carte de l'anneau. Alors l'anneau, c'est drôle. Parce que d'habitude, la carte de l'anneau, normalement, c'est une carte qui est censée être positive dans mon oracle. Mais là, quand j'ai vu l'anneau, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé immédiatement au Seigneur des Anneaux, justement. Hein, un anneau pour les gouverner tous, et dans les ténèbres les lier. Ici, là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous l'interpréter comme étant un anneau de pouvoir, un anneau qui lie. En plus, fait exprès, on a quand même ici le ruban, qui nous parle d'une union, une union sacrée. Donc, pourquoi pas ici? Oh, ah ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait nous parler d'une union entre peut-être deux superpuissances. Attendez, on va mettre des cartes en plus. Ouh là là, le rituel. Je viens de vous le dire en plus. Je vous parlais de deux puissances. Et au moment où je dis deux puissances, on a la carte du rituel qui représente justement la puissance. Donc ça pourrait nous parler d'une alliance. Ah ouais, une alliance. Une alliance avec deux puissances. Ou plusieurs puissances. Ok, on a la carte du soleil. Ça, c'est une carte qui est positive par contre. On a la plume. Donc la plume, ça pourrait nous parler d'accords, de traités, de choses qui vont se signer, des choses officielles, des choses positives, ou pour trouver une solution. Ou peut-être que l'alliance qui va être formantée, c'est dans un but positif, peut-être. Ça peut être ça. Ici, on a le mouvement. Je venais de vous le dire avec la carte du ballon. Et en plus, le ballon est en diagonale comme ça. Donc, on nous parle bien de mouvement, des choses qui vont se mettre en mouvement. On a le coffre. Donc, ici, le coffre pourrait représenter aussi la boîte de Pandore dans l'aspect des mots, les mots MAUX. C'est-à-dire que certains, peut-être, vont faire joujou avec des forces qu'ils ne connaissent pas, des forces qui pourraient les dépasser, ou qui pourraient peut-être libérer sur Terre des fléaux, des maux, MAUX. Donc, à nouveau, quand même, on a cet esprit, on a cet esprit de guerre. Oh là, oh là, ok, une rupture. Rupture. Vous avez entendu ce mot rupture, je venais de vous le dire, et en plus, on avait la carte du cœur, là, donc on a rupture. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui va se terminer. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une convention qui va être brisée, ça peut être un traité qui va être brisé, un accord qui ne sera pas respecté. N'oubliez pas la carte de l'enveloppe, hein, que je vous parlais, la lettre recommandée, l'ultime sommation, etc., etc., hein. Donc, ça pourrait nous parler de quelque chose qui va être brisé, un accord qui va être rompu. On a le cristal qui nous parle de réponse.
Besoin de réponses, ou chercher des réponses peut-être. La loupe, ah bah oui, la loupe, on a l'aspect ici d'enquête, d'enquêter, de rechercher, de comprendre. On a la tour. La tour. La tour. Excusez-moi les amis, c'est juste que je viens d'avoir un flashback sur la vidéo que je vous avais faite il y a quelques mois, où je vous avais partagé un mauvais pressentiment. Et il y avait la tour, il y avait les tours qui sortaient. Et rappelez-vous, pour ceux qui l'avaient vu, je vous parlais, on arrivait à la date anniversaire en plus du 11 septembre, et j'avais eu vraiment un très très mauvais pressentiment, et je voyais des bâtiments qui tombaient, des attaques armées, des choses comme ça. Dans les cartes aussi, on avait un message très fort, puisqu'on avait eu... On avait eu la mort, on avait eu... Je crois qu'on avait eu les tours aussi qui étaient sortis, hein, je ne me rappelle plus, mais il me semble qu'on avait eu les tours. Bref, on avait eu un tirage qui était vraiment très 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 mauvais. On avait eu la carte... On avait eu la carte du démon, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu la carte du démon, il y avait eu la carte de la mort aussi. Je crois qu'il y avait eu les tours aussi. On avait un tirage qui était assez similaire à celui-ci. Donc ça serait... Peut-être que ce que je vous ai partagé à ce moment-là... C'était prémonitoire dans le sens où je m'étais simplement trompé dans les dates. Peut-être que je m'étais laissé influencer par la date anniversaire du 11 septembre, mais que derrière cette date, il fallait y voir autre chose, à savoir l'image du 11 septembre. Qu'a été le 11 septembre? Ça a été l'image de la guerre. Donc peut-être que c'était cette image-là, c'était une image métaphorique qu'il fallait voir dans le 11 septembre et pas l'interpréter au sens propre, au sens figuré. Je vous dis ça parce qu'en voyant la tour, du coup, forcément, ça me... Ok, et on a le cadenas. On a le cadenas, donc le cadenas ici nous dit qu'on ne doit pas savoir. On ne doit pas savoir, les choses sont verrouillées, les choses doivent se faire. Les choses, elles sont écrites et elles doivent s'accomplir. Et malheureusement, et je vous l'ai dit en début de vidéo, on est effectivement à un tournant de l'histoire. On est à la veille de quelque chose et ce qui est écrit doit s'accomplir et peu importe ce que l'on peut faire. Ça, c'est ce que je vous dis souvent avec la destinée, hein. Il y a une différence entre libre arbitre et destinée. C'est-à-dire que s'il est écrit dans votre vie que vous devez aller à Paris, ce qui vous appartient, le libre arbitre, c'est le voyage. C'est-à-dire que vous pouvez faire direct Lyon-Paris. Vous pouvez descendre par la Côte d'Azur, rejoindre les Pyrénées, faire la côte bordelaise, la Bretagne, la Normandie, tout ça, et hop, vous arrivez à Paris. Voilà, ça c'est le voyage. Le voyage vous appartient. Mais en revanche, la destination, elle est écrite. Et quoi que vous fassiez, vous finirez à Paris. C'est juste que ça, au lieu de prendre 2 mois, ça va prendre 6 mois, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans, mais peu importe, votre destination, elle est écrite. Et là, je pense qu'effectivement, on est arrivé à une étape de destination. On n'est plus sur l'étape de voyage. Donc écoutez les amis, on va essayer de résumer. Là, ici, on pourrait nous parler d'alliance. Une alliance qui pourrait se faire avec une puissance ou plusieurs puissances afin d'invoquer quelque chose. Parce que le rituel, ça vraiment, en plus, là, on est sur le rituel de Cthulhu. Donc on est vraiment sur le fait d'éveiller quelque chose d'ancien, quelque chose qui était dont on ne parlait plus depuis quelque temps. Alors, quelle est cette chose? Est-ce qu'on nous parle de guerre? Parce qu'effectivement, la guerre, bah... Par exemple, pour des générations comme moi, la guerre, c'est chimérique, hein, je ne l'ai pas connue. Pour des personnes, ne serait-ce que ma maman, qui n'a pas forcément connu la guerre, mais qui a connu l'après-guerre, qui a connu les conséquences de la guerre, hein, la guerre quand même reste pour pas mal de personnes quelque chose d'assez présent, d'assez actuel. Donc ce qui fait que voilà, ça pourrait être cette chose ancienne qui pourrait être réveillée, qui pourrait être invoquée, hein. Mais ici on a une alliance avec une puissance ou plusieurs puissances. Ici, on a quand même la carte du soleil qui est une carte positive, faut pas l'oublier. Donc pour moi quand même, ici il y a peut-être un espoir, ou peut-être qu'il y a un es y a peut-être quelque chose qui peut se faire. Il y a encore un espoir, mais cet espoir, soit il est d'ordre diplomatique, mais bon, on a vu avec le tirage en dessous que la diplomatie n'était pas forcément de mise, hein, que c'était un peu trop tard pour l'aspect diplomatique. Et c'est peut-être ce que le contrat est en train de nous dire, c'est-à-dire que là, ça pourrait être le mouvement, ça pourrait être les échanges là, ça pourrait être les propositions, les échanges diplomatiques, on essaye de trouver un accord, on essaye de signer des traités, de faire une trêve, de faire des choses là, mais non. Ici, il y a quelque chose qui va être rompu. Il y a un accord qui ne sera pas tenu. Il y a un engagement qui ne sera pas respecté. Donc peut-être, hein, je vous donne un scénario possible. Imaginons que là, il y a une trêve qui se passe après tous ces événements. Mais
Mais la trêve, imaginons qu'il y ait une sorte de traité qui soit signé, qu'il y ait un accord qui soit signé, mais que quelque temps après, finalement, ce traité ne soit pas respecté. Et que par conséquent, c'est vraiment la goutte de trop, quoi. On s'est mis d'accord, on a dit que ce serait comme ça, ok, tu respectes pas, c'est bon, maintenant, je t'en mets plein la tronche. Vous voyez, ça pourrait être dans ce style-là. Parce que là, il y a un aspect malsain de chercher. Vous voyez, ici, on a le pendule. On a la loupe, donc il y a un aspect d'enquêter, mais pour moi ça m'évoque l'aspect de chercher, de provoquer. Vous voyez, quand vous cherchez, mais quand vous cherchez trop, c'est-à-dire que être curieux, chercher, enquêter, oui, on est d'accord, c'est bien, mais quand vous cherchez trop, bah, c'est, j'ai envie de dire, hein, à force de chercher la guerre, vous allez finir par la trouver. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là que j'interprète cet aspect de chercher comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais il y a encore cette idée de tour. Alors, on sait que la tour dans le tarot, c'est la destruction, hein. La tour symbolise toujours une destruction, une catastrophe. Donc, est-ce que c'est à interpréter comme le tarot? Et par conséquent, ici, on nous parlerait d'une catastrophe? C'est possible. C'est possible. Je vais regarder parce que ici, on a la coupe. Et la coupe, quand même, annonce une bonne nouvelle, quelque chose à fêter. Donc ça me paraît bizarre qu'on nous parle à la fois de détruire quelque chose pour célébrer après. Est-ce que ces deux cartes-là résumeraient l'ensemble du tirage? Je m'explique. C'est-à-dire ici la tour représenterait l'aspect de destruction, le fait de détruire, la catastrophe. Et la coupe représenterait après l'armistice, le fait de... Voyez ce que je veux dire? Est-ce que ces deux cartes-là seraient la conséquence finale? Peut-être. Peut-être. J'ai bien envie. Normalement, j'ai pas le droit, hein. Quand il y a le verrou sur le tirage, c'est vraiment que le tirage, il est clôturé, il est fini, on n'a pas le droit de mettre autre chose. Mais j'ai bien envie d'essayer de forcer un petit peu. Donc, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Non, vous voyez, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. On a la carte de l'illusion. Donc, ce qui veut dire que là, si je sortais d'autre chose. Si je sortais d'autre chose. C'est soit la vérité, soit un mensonge. Voyez? La carte de l'illusion, c'est vraiment une carte. C'est une menteuse, quoi. C'est une traîtresse. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre derrière cette carte, soit ça sera la vérité, soit ça sera un mensonge, mais il faut pas s'y fier en tout cas. C'est pas quelque chose de réel. C'est pas quelque chose de concret. Donc vous voyez, ça confirme que là, sur le verrou, on ne veut pas dire. Il y a quelque chose qui doit se faire. Ça doit se produire. L'histoire doit s'écrire. Et malheureusement. Ça ne peut pas être révélé, parce que très certainement que ça fera appel, eh bien, au libre arbitre de chacun que l'histoire, lorsqu'elle va se jouer, parce que là, on ne parle pas juste de l'histoire de 7000 abonnés de la chaîne, non, là, on parle de 7 milliards d'êtres humains, hein. Donc, c'est encore autre chose. Et concrètement, quand l'histoire se met en route, quand elle se joue, l'histoire, eh bien, on ne peut pas avertir, on ne peut pas prévoir certaines choses. Hein. Donc là, je pense que ce qu'on nous a montré, c'est le prologue. C'est histoire de nous faire comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Par contre, les événements principaux, ou peut-être les conséquences de ces événements-là, eux ne seront pas révélés. On va terminer avec l'oracle des merveilles. On va essayer de voir. Bon, les amis, je veux pas dire, mais quand même, je pense que je me suis porté malheur parce que en début de vidéo, souvenez-vous, je parlais de certaines cartes, la carte de la bombe, etc., hein, des cartes que je ne voulais pas forcément voir et qui sont sorties. Donc là, ce qui voudrait dire que si on a la reine de cœur qui sort, ça va nous parler de politique, ça va nous parler de dirigeants et ça va nous parler surtout de trancher, de couper des têtes. Alors, couper des têtes au sens propre du terme, ou bon, allez-y, les cartes s'envolent. Les cartes s'envolent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je les prenne, ces cartes, ou pas? Parce que ça en fait beaucoup quand même. Bon, alors attendez les amis, parce que embrassant, la carte des 9 mois s'est envolée, elle est tombée par terre, et elle était. Et il y avait cette carte-là qui la recouvrait. Je ne l'ai pas vue, je ne sais pas ce qu'il y a. On a le roi de cœur. D'accord, on a le roi de cœur. Donc ici, on a un homme politique. On a quelque chose d'inconnu. D'inconnu, inaccessible, hein. Quelque chose, voilà, quelque chose qui doit se faire, mais quelque chose que l'on ne sait pas, que l'on ne voit pas. On ne sait pas quel visage ça va revêtir, mais en revanche, c'est un personnage particulièrement important. Hein, le roi de cœur dans l'oracle des merveilles, c'est une carte maîtresse. C'est quand même le roi, hein. C'est pas n'importe qui, c'est quand même le roi. Hiérarchiquement, il est au-dessus de la reine de cœur, hein.
Oui, ça c'est les lois patriarcales, que voulez-vous. Mais on a une carte qui est très forte. Donc ici on nous parle bien de dirigeants. De dirigeants, et ce qui est fort aussi, c'est qu'on avait la carte du miroir qui était à côté du roi de cœur. Et sur le miroir, on a une face révélée et une face cachée. Donc ce qui pourrait nous dire ici, et en plus le roi de cœur n'a pas de face, il a la face cachée. Donc ça pourrait nous mettre en garde sur ce que l'on croit voir. N'est pas forcément le reflet de la réalité. On en revient encore à cette réflexion. Ça pourrait nous parler aussi d'un plan qui est caché, c'est-à-dire qu'il y a peut-être ce que l'on nous dit, ce que l'on veut nous dire, ce que l'on veut, ce que l'on peut nous révéler, mais il y a aussi quelque chose que l'on ne nous dit pas, que l'on ne peut pas nous révéler. Donc ici, on a quand même quelque chose qui est fort, hein. On a quelque chose qui est très fort, surtout que c'est tombé avec la carte des 9 mois. Donc c'est pas un hasard. Par curiosité, je vais quand même remélanger les cartes, mais par curiosité, on va regarder les cartes qui sont sorties du paquet. Donc on a eu l'engrenage qui nous parle d'une entreprise fragile. L'engrenage, hein, ça pourrait être, je sais pas pourquoi, je vois des roues de char. Mais ça peut nous parler effectivement de métal, tout ce qui est lié au métal. Donc métal, hein, ça peut être l'armement, ça peut être tout ce qui est bâtiment militaire. Quand je dis bâtiment, c'est navire, etc. Hein, pas les bâtiments en béton. Ça pourrait nous parler aussi de quelque chose qui se met en route. En plus, ici, on a la Vorpal. Alors la Vorpal, ce qui n'est pas forcément très rassurant, c'est que la Vorpal, elle est associée avec Alice. Et justement, la Vorpal, c'est l'arme de Alice. Et Alice prend cette arme pour rentrer en guerre, pour sauver le pays des merveilles, pour se défendre. Donc le fait que la Vorpal soit tombée avec Alice et qu'elle soit côte à côte, on a vraiment ici l'aspect, l'idée d'un soldat qui prend son arme pour combattre et sauver son pays. Donc là, on a un message qui est extrêmement fort. Vous voyez, quand je vous disais, ne vous fiez pas à l'aspect un petit peu enfantin de l'oracle des merveilles, parce que il révèle plusieurs secrets, des choses qui sont très intéressantes. Et ici, on a le 7 de cœur. Donc le 7 de cœur qui nous parle de l'évaluation réfléchie. Donc on nous parle, encore une fois, là, on a une référence à l'aspect de réflexion avec le miroir. Donc ici, le 7 pourrait symboliser l'aspect de stratège, de stratégie, le fait de réfléchir, de mettre en place quelque chose. Hein, parce que l'évaluation réfléchie, on nous parle bien ici d'évaluer une situation, de réfléchir sur la situation avant de prendre des décisions, de mettre en place des plans, des stratégies. Donc on est encore dans une sorte de mécanique un peu militaire. Et là, ça, c'est clairement pas rassurant. On a le damier qui nous dit que la partie commence. Donc, ce qui veut dire qu'on est vraiment ici aux prémices. On est au vraiment, c'est le prologue, hein. C'est le prologue. On est sur vraiment le tout début. Et les pièces vont se mettre en place sur l'échiquier. Et ben voilà. Bon, vous savez quoi? On va. C'était par curiosité. Je voulais quand même les regarder parce que on a eu. Vous avez vu? C'était fort, hein? Les cartes comme ça qui sont sorties du paquet. On aurait presque dit, je sais pas, une main invisible qui les sortait comme ça du paquet. Je vais quand même en remélanger et par curiosité, on va en ressortir quelques-unes. Ça serait quand même assez, entre guillemets, marrant si on avait les mêmes cartes qui ressortaient quand même. Bon, on va voir ça. On va en prendre trois. On va en prendre trois. On a le 5 de cœur qui nous parle de la perte dans le chaos. Bon, on le sait, hein, le 5, c'est toujours la chiotte. Le 5, c'est une mauvaise carte en cartomancie, hein, ça annonce toujours la perte, le chaos, une catastrophe, quelque chose de négatif, un événement négatif, hein, la précarité. Donc on a. Oh là 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 là! Non, mais alors, elles sont données le mot. Bon, ben voilà, on a la reine de cœur qui est sortie. Donc la reine de cœur, on nous parle bien ici de justice tranchante, de têtes qui vont tomber au sens peut-être propre du terme. Alors je suis désolé de vous le dire, hein, mais on est là pour ça, on fait cette vidéo pour ça, pour dire les choses, hein. Donc la reine de cœur nous parle bien d'un tyran ou une tyrannie. Attention les amis, on n'est pas là pour juger, hein. D'ailleurs je ne dis absolument pas qui sur quel camp se placer, qu'on soit bien d'accord, hein, on n'est pas là pour parler politique, mais donc faites attention, encore une fois, hein, attention à ce que les médias vous disent, n'oubliez pas de conserver votre libre arbitre, votre capacité à réfléchir, soyez vous-même, hein, ça j'y tiens, arrêtez d'être ceci, d'être cela, hein, parce que sur Facebook ça envoie souvent. Donc ici on nous parle d'un tyran.
d'une tyrannie, d'un règne de terreur, ou si par malheur vous élevez contre le pouvoir, contre l'autorité, vous perdez la tête, au sens propre du terme. Là, pour le coup, la reine de cœur, il faut l'interpréter dans son personnage tel qu'elle est. Hein, c'est-à-dire une tyran, qui impose un règne de terreur, qui est une dictatrice, qui, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et si t'es pas d'accord avec moi, voilà, c'est soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Hein, c'est, voilà. Et en plus, avec le 5 de cœur, quand même, on a quelque chose d'extrêmement fort. Et on a la rose peinte, le mensonge déguisé, voilà, c'est très bien, les amis, c'est très bien. Voilà, et le 8, la puissance du mouvement, donc ça rejoint bien les choses qui se mettent en mouvement, des choses qui vont bouger dans le temps. Donc ça confirme bien qu'on n'est qu'au début de la partie, que les choses ne font que commencer. Et la rose peinte, le mensonge déguisé, ça nous parle ici vraiment, encore une fois, on a cette idée-là de ne pas se fixer à ce que l'on croit voir. Peut-être qu'on veut à tout prix nous indiquer un coupable, mais peut-être que la vérité est tout autre et que cette vérité est déguisée, qu'elle est altérée, qu'elle est alternée et que ce que l'on croit voir n'est absolument pas la réalité. Et ça, on va voir comment ça va se dérouler dans le temps, mais il y a vraiment ici quand même, il y a des aspects de mensonge qui sont très très explicites, hein. On a vraiment ici des mensonges, de la manipulation, de la prise de pouvoir. On veut à tout prix un coupable alors que le coupable n'est peut-être pas forcément celui qu'on croit. Enfin, là, on est dans un climat qui est vraiment très particulier. Et le tirage s'en ressent parce que lui aussi est vraiment très particulier aussi. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce tirage. N'hésitez pas à revoir la vidéo quand vous voulez. Vous regardez, vous mettez pause, etc. Hein, et si vous voyez des combinaisons, des interprétations, des choses qui auraient pu m'échapper, des choses qu'on peut interpréter autrement, d'autres signes, hein, comme je l'ai dit, cette vidéo est participative, elle est collaborative. C'est pas moi qui détient la vérité. Moi, je vous donne mon ressenti par rapport à l'interprétation des cartes. Si vous, vous percevez autre chose, n'hésitez pas à en faire part également en commentaire. Je vous demanderai également de la bienveillance. On n'est pas là pour se taper dessus, mais ça, je sais, vous êtes une communauté absolument extraordinaire. Donc je sais qu'il n'y aura pas de déviance. Mais voilà, je vous demanderai de ne pas exprimer de parti politique, hein, parce que c'est pas parce qu'on est une super communauté. On n'est pas forcément de tout, voilà, de tout bord politique. On n'est pas forcément en accord avec tout le monde. Donc on ne parle pas politique dans les commentaires, hein, je vous en supplie, pour éviter justement qu'on se pique le bec. Simplement, voilà, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à le dire, à l'expliquer, argumenter, d'accord, hein, parce que moi ce que j'aime c'est les arguments, c'est on peut débattre de tout, moi je suis le premier à débattre de tout, à condition que le débat soit élevé, qu'il y ait des arguments et des contre-arguments, et que ce soit pas juste des échanges d'insultes. Parce que c'est pas comme ça qu'on débat dans la vie, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez vu des choses, si vous avez interprété des choses, mettez-les en commentaire, d'accord? Parce que c'est tous ensemble, en décryptant tous les signes, qu'on pourra peut-être comprendre ce qui est en train de se produire ou ce qui va se mettre en place, peut-être se préserver, se protéger, hein, faut penser à plus loin, plus haut, les enfants, les générations, etc., hein, les personnes faibles, les personnes qui ne comprennent pas ce qui est en train de se produire. Donc si nous, on peut essayer de décrypter certains signes, hein, qu'on puisse le faire tous ensemble dans la bienveillance. Allez, moi sur ce, je vous embrasse fort et puis on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez grand, grand soin de vous.